Je suis arrivée à Paris un matin, quelques jours avant l'ouverture des cours. Lucille, mon ancienne amie de Montargis, devait me donner l'adresse d'une pension de famille pas chère. Elle habite près de la porte de Gentilly. Je disposais de 30 000 francs pour tout le mois d'octobre. Lucille m'a accueilli très gentiment. Un jeune homme était là, Jacques. Lucille m'a indiqué l'adresse d'un hôtel assez loin de la faculté. J'espérais ne pas avoir trop de frais de transport. Lucille m'a expliqué qu'en achetant des cartes, le métro revenait moins cher. C'était modeste et propre, tranquille surtout. Le logeur m'a dit que j'avais l'air sérieux. J'ai préféré payer tout de suite les 15 000 francs de loyer. Comme ça, il m'en restait autant pour finir le mois. J'ai été m'inscrire au restaurant universitaire et à la faculté. On m'a dit qu'il n'y avait pas beaucoup d'heures de cours et que si j'étais mal portante, je devrais aller au centre médico-social.
Depuis mon arrivée à Paris, j'avais déjà perdu beaucoup de sang. Mon logeur fut très affecté par la disparition de son petit chat. Le logeur m'a expliqué qu'il fallait que je m'en aille. J'étais restée 4 jours à l'hôtel. Je n'ai pas osé réclamer les 15 000 francs du loyer. Lucille a bien voulu me prendre chez elle quelques jours. Jacques venait souvent coucher à la maison. Il a fallu en cachette que je porte les draps à laver. Dans la boutique, je mourais de honte. Lucille me demandait si je ne souffrais d'aucune maladie. Elle semblait gênée. Elle m'a demandé pourquoi je me levais et sortais tard dans la nuit.
J'ai donné à Lucille l'argent qui me restait à cause du tapis abîmé. Et je suis partie. J'ai mis ma valise à la consigne de la gare de Lyon. Il fallait que j'attende la nuit pour le boire. Au cours, Lucille a fait semblant de ne pas me reconnaître. Jacques m'observait. J'étais prise d'un malaise et je suis sortie avant la fin. Le médecin m'a demandé si j'étais bien à l'hôpital. Je lui dis que oui, tout le monde était très gentil, que j'étais bien.